Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans notre nouvelle consultation technique. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Morgane, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bonjour à vous tous qui nous regardez encore une fois, hein. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Donc, comme d'habitude, je vais passer un coucou particulier donc aux personnes qui sont en début de programme, hein, qui commencent simplement ou qui vont commencer très bientôt, parce qu'encore une fois, donc cette consultation, elle s'adresse principalement à vous, hein, même si tout le monde est bienvenu et de toute façon, on apprend toujours quelque chose en regardant cette consultation. Mais donc, dans les membres, hein, qui vont commencer lundi matin, on a Nadia. On a Ginny9, j'ai qui d'autre? Hop, hop, hop. C'est tout ce que j'ai pour le moment, mais après, vous êtes aussi quelques-uns vraiment en début de programme. Hein, donc, bonjour Marie-Jo, bonjour Henriette, bonjour Nush, bonjour Betty, bonjour Laure, bonjour Annika, bonjour Mamoun. Voilà, donc bienvenue à vous dans cette nouvelle consultation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Morgane, je suis le directeur du service client. Donc, je travaille ici maintenant depuis plus de 5 ans, hein, et ayant l'habitude de vous avoir au téléphone, j'ai moi-même une bonne idée, une bonne expérience sur les questions que vous vous posez. Et justement, cette semaine, on va aborder un thème qu'on aborde assez régulièrement, qui est la masterclass, hein, et on a d'ailleurs le responsable de l'école qui va se présenter juste après. Mais on va vous la présenter d'abord comme d'habitude, mais rapidement sur le site, comment y accéder. Et ensuite, on va vous montrer vraiment concrètement, réellement, comment ça se passe, comment on y accède, à quoi on vous donne accès une fois que vous devenez membre donc de cette masterclass. Et je vais maintenant laisser la parole à mon ami Jean-Michel, qui est donc entre le tu es quoi le principal, le directeur, le conseiller Le pédagogique. Le principal. principal, d'accord. Voilà, donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc effectivement, je me présente, je travaille au service client depuis quelques années également. Donc comme vous l'a si bien dit Morgane, on est là pour vous accompagner, pour bien démarrer dans le programme à partir de l'année prochaine. Si toutefois vous avez des questions diététiques, n'hésitez pas à participer à toutes les consultations diététiques du lundi avec Jean-Michel Cohen, avec Lucie, ou sinon vous avez le mardi avec Delphine Michel sur les kilos émotionnels. Le mercredi, vous avez Isabelle qui fait également une présentation sur tous les aspects diététiques. Le jeudi, c'est nous. Et le vendredi, à partir de 13h, vous avez soit Lucie ou soit Isabelle qui seront là donc pour répondre à toutes vos questions diététiques. Autrement, je vous rappelle le numéro du service client qui est le 04 81 09 04 06. Et donc, vous pouvez nous joindre à tout moment à ce numéro-là. Je n'ai pas oublié une rencontre importante, c'est celle du lundi matin avec Adrien Lemay, qui s'occupe de la communauté et qui fait les petits déjeuners. Et Morgane, tu vas nous rappeler l'heure précise? Oui, tous les lundis matins à 8h30 pour la pause café, pour bien démarrer sa semaine avec Adrien, le responsable effectivement de la communauté. Est-ce que tu as mentionné également les Facebook Live de Jean-Michel Cohen? Non, je ne les ai pas mentionnés. Ils sont à 19h30 tous les jeudis avec Jean-Michel Cohen. Donc là, vous pouvez lui Voilà. poser des questions également. Parfois le vendredi, hein, abonnez-vous. Le mieux, c'est de s'abonner à sa page Facebook. Comme ça, vous serez directement informé. D'ailleurs, dites-nous si vous êtes déjà abonné à sa page Facebook, et si vous ne l'êtes pas, allez-y. Et donc, avant de passer au sujet du jour, parce que j'ai vu déjà quelques questions, hein, donc, vous avez posé les bonnes questions. Alors, désolé Pascal, si je vous ai oublié dans les nouveaux membres. Mais voilà, donc encore une fois, voilà, ici, c'est la consultation technique, hein, donc les questions diététiques, on ne va pas pouvoir y répondre. Mais j'ai déjà une ou deux questions là que je vais aborder très rapidement, hein, avant la présentation. La première, c'est une question de Jacqueline qui me demande, qui nous dit pourquoi je n'arrive pas à entrer dans les 30 recettes d'été. Alors, Jacqueline, je vais vous montrer tout de suite. Alors, depuis l'ordinateur, hein, cette semaine, on va faire depuis l'ordinateur. Hop. Vous voyez donc, pour accéder au livre dont elle parle, alors je reviens sur la page d'accueil, hein, bien entendu, et pour accéder au livre dont elle parle, hein, qui est une nouveauté qui est live depuis le début de la semaine, vous allez donc dans la rubrique ici des fiches pratiques. Et quand vous êtes ici, donc dans les fiches pratiques, vous descendez tout en bas,
dans la rubrique « Je découvre mes livres offerts » et vous cliquez sur les 30 recettes d'été les plus simples du monde. Et vous voyez qu'en fait, ce n'est pas une page, ça va se télécharger ici. C'est un document, si vous voulez, à télécharger au format PDF. Donc regardez, on va attendre qu'il finisse de se charger. Voilà, encore 4 secondes. Quelques secondes, hein, ça va arriver. Voilà. Et vous voyez que maintenant, là, il est téléchargé entièrement. Et si je l'ouvre ici, eh bien, automatiquement, je vais arriver donc sur la nouveauté hein, de la semaine, qui sont les 30 recettes les plus simples. Donc, on a la salade de pastèque à la feta, la salade de melon fraîcheur, la salade de billes de légumes, le gazpacho fraîcheur. Enfin, voilà, vous avez toute une sélection hein, qui a été faite par Jean-Michel Cohen et que vous pouvez donc retrouver ici. Et je vais tout de suite passer sur une deuxième question de Alba, qui me demande, voilà, en modifiant les plans de repas qui étaient en végétarien, à tort j'ai perdu mes plans de repas, je suis en septième semaine, est-ce que ça va être possible de les retrouver? Alors Alba, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous allez ici dans la rubrique nutrition, mes plans de repas, donc vous avez en fait tous les plans de repas qu'on vous envoyait depuis le début, mais sur le profil que vous suivez actuellement. C'est-à-dire que, vous voyez, moi ici je suis sur des plans de repas à 1400 calories, donc là, j'ai tous mes plans de repas à 1400 calories. On va rentrer dans un plan de repas, par exemple. Donc voilà, moi, je suis à 1400 calories sans déjeuner ou déjeuner léger. Si je les modifie et que je passe ici en végétarien, comme vous, j'enregistre, je retourne sur mes plans de repas. Et là, eh bien, en fait, effectivement, ce qui va se passer, c'est que toutes les semaines, en fait, l'ensemble des semaines que j'avais archivées avec mon profil précédent, ben maintenant elles ont toutes été modifiées pour passer en végétarien. Donc c'est pour ça que voilà, ça reste pas archivé, d'où votre question. Donc comment faire pour retrouver vos plans de repas que vous aviez au début? Ben, c'est très simple, en fait vous retournez ici sur modifier et là vous rechangez, en fait vous repassez sur le plan de repas que vous aviez précédemment, donc vous remettez sur son petit déjeuner, vous enregistrez et automatiquement vous allez retrouver les plans de repas que vous aviez auparavant. Si jamais vous avez oublié mais sur quel type de plan de repas vous étiez, vous avez juste à cliquer ici, voir l'historique de personnalisation. Et là, vous allez voir tous les différents profils de menus que vous avez suivis depuis votre inscription. Ce qui vous permettra de retrouver tout ça. Voilà, donc c'était juste deux petites questions pour se chauffer. On va démarrer maintenant. Alors Jean-Michel, on a un petit message pour toi, je ne sais pas si tu l'as vu. Il y a Isabelle qui nous dit « Jean-Michel, arrêtez de maigrir ». On est en phase de stabilisation. Tu perds plus de poids là? Non, non, phase de stabilisation. D'accord. Ok. Qu'elle se rassure. Très bien. Et puis donc Isabelle qui nous dit qu'elle est également, elle, déjà abonnée à Facebook. Et donc on a juste un message qui est dans le thème ici de Olimion qui nous dit qu'elle est inscrite à la masterclass depuis lundi. Donc elle n'a pas encore eu d'aller voir quoi que ce soit. Donc, elle demande une fois l'accès ouvert, voilà, je peux y avoir accès à n'importe quel moment, c'est cela. Effectivement, tu confirmes, Jean-Michel, c'est un accès à vie. Hein. Elle pourra tout garder, mais je vais expliquer en détail, donc qu'elle se rassure. On va lui donner tous les détails. Très bien. Donc, la masterclass, déjà, comment la faire pour la retrouver ici dans votre programme? Mais c'est très simple, vous allez dans la rubrique coaching, et là, vous allez retrouver l'onglet formation masterclass. Et donc, on va avoir ici une première vidéo de présentation explicative, hein, un petit commentaire de la part de Jean-Michel Cohen. Là, voilà, vous avez les informations, le prix, et puis vous pouvez procéder ici immédiatement au paiement. Et donc, une fois que vous avez validé votre paiement, eh ben, c'est Jean-Michel qui va prendre la suite et qui va nous expliquer comment ça se passe. D'accord, ben merci beaucoup pour ces explications, Morgan. Donc, effectivement, lorsque vous allez accéder à la masterclass, il y a plusieurs choses qui vont... Alors d'abord, peut-être un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas la masterclass. Ce sont 4 formations qui ont été faites par le docteur Jean-Michel Cohen en début d'année pour que vous puissiez devenir la mini-nutritionniste de la famille ou le mini-nutritionniste de la famille. Donc, on va en fait vous apprendre toutes les bases pour un bon équilibrage alimentaire et en même temps vous faire découvrir donc les bonnes méthodes pour apprendre donc à rééquilibrer votre alimentation,
les principes sur la digestion. Il y a plein d'informations, même la, vous allez retrouver la pyramide alimentaire, etc. Vous avez en fait quatre formations de 45 minutes que vous pouvez à ce moment-là télécharger sur votre ordinateur et les garder effectivement, comme tu le disais Morgane, à vie sur votre ordinateur. Vous avez également ce qu'on appelle des fichiers audio MP3 que vous pourrez forcément donc garder sur votre ordinateur et même sur votre téléphone portable. Comme ça, ça vous permettra eh bien, de les écouter à n'importe quel moment. Parce qu'en général, lorsque vous écoutez une formation qui prend 45 minutes, il faut prendre le temps de bien digérer toutes les informations qui sont données par le docteur. C'est comme si vous étiez à l'école. Donc, il faut peut-être revoir les cours à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'on a fait un petit décalage entre chaque module. C'est comme ça qu'on les appelle, ces formations. On les a décalés de 5 jours, de façon à ce que vous puissiez bien prendre le temps d'assimiler chaque thématique pour chaque formation. Donc, dans le module 1, je vais vous dire un petit peu ce qu'on retrouve. Pour bien commencer, donc, vous allez découvrir les trois notions principales et fondamentales de la nutrition. Donc, d'abord, comment fonctionne le processus de digestion, comme je vous le disais, mais également le bilan énergétique. Vous allez voir quels sont le rapport entre les calories qu'on consomme et les calories qu'on dépense. Donc, ça, c'est très important. Et également, quels sont les nutriments. Donc, c'est-à-dire les éléments qui constituent l'ensemble de notre alimentation. Et ça, vous le retrouvez dans le module 1. Mais on le verra tout à l'heure en détail, puisque l'objectif aujourd'hui de cette consultation vidéo, c'est de rentrer en détail sur cette formation pour bien vous compreniez à quoi ça correspond. Parce que comme on a plein de retours positifs, on voulait vous partager ça en direct. Dans le module 2, vous allez découvrir la fameuse pyramide alimentaire et ce à quoi donc elle peut être utile dans la composition de vos repas au quotidien. Donc vous allez vous familiariser avec les 7 grandes familles d'aliments. Donc c'est très important pour réapprendre et apprendre donc la répartition donc à respecter entre les différents nutriments tout au long de votre journée. Dans le module 3, on retrouve la nature et la quantité des aliments donc qu'il faut consommer pour toujours être dans une alimentation équilibrée, si je puis dire. Et vous allez obtenir donc la liste complète des 12 super aliments donc, qui ont été concoctés par le docteur Jean-Michel Cohen qu'il faut consommer de façon régulière, en tout cas au moins une fois par semaine. Donc ça va être important de retrouver ça dans le module 3. Et dans le module 4, vous allez vous intéresser plutôt au rôle de la nutrition. Donc, avant tout, pour votre santé, puisque ce programme s'appelle « Savoir manger ». Donc, c'est également « Savoir mieux vivre », c'est être en bonne santé. Donc, on va apprendre à déchiffrer les étiquettes alimentaires. Parce qu'on a quand même le docteur Jean-Michel Cohen qui est un spécialiste. Et vous allez pouvoir vous familiariser. Alors, Rachel, avec. Excuse-moi de t'interrompre, mais on nous demande si on peut voir. Est-ce qu'on peut voir des visuels? Est-ce que tu as des choses à nous montrer en même temps? Allez, je vais montrer tout de suite les visuels. Donc, je vais partager. Excuse-moi, merci de me le rappeler. Hop. Alors. D'ailleurs, on a des commentaires de Monique hein, qui nous parle de la pyramide alimentaire, qui nous dit que c'est très bien. Elle est surprise des aliments protidiques hein, qui ne sont que très loin dans la pyramide. Voilà, c'est un petit commentaire. Alors, tiens, Morgane, j'ai un petit souci pour partager ma vidéo. Je vais demander à mon ami Christian ouais. de la partie technique, vous voyez, sur les aléas du direct, qui va venir me donner un coup de main, vous voyez, ici, là. En même temps, on va le voir, alors. Bonjour, Christian. Bonjour. Alors, je ne peux pas partager mon écran. Je pense que c'est Morgane. Il me dit qu'il faut que je me déconnecte, Morgane. Bon, on t'attend. On t'attend. Je vais comme okay. Ça répondre à une question en attendant. Hein. Voilà. Voilà. J'arrive. Tu es toujours avec nous. Hein.
Ok, voilà, donc il se déconnecte. Alors en attendant, bah, on va un petit peu sortir du sujet, mais on reviendra dessus dès que Jean-Michel sera revenu avec nous. En attendant, je vais prendre une question ici de Puce 56 qui demandait comment est-ce qu'on se fait des amis sur le programme ? Parce qu'effectivement, vous avez une rubrique communautaire qui vous permet de pouvoir discuter donc avec les autres membres et de leur envoyer voilà. Des messages privés. Je suis de retour. Oui, alors je vais finir la question. J'avais commencé à attaquer une question, du coup, et puis on reviendra tout de suite après dessus. Mais voilà, donc, Puce, pour vous faire des amis, le plus simple, c'est que vous alliez dans la communauté, dans la rubrique des groupes. Donc, par défaut, vous êtes tous inscrits au groupe du Je commence le lundi. Sinon, vous pouvez retrouver. Voilà, ici, les groupes dont vous faites partie, hein, tout simplement, ou sinon vous allez dans les plus actifs. Donc on va cliquer, on va rentrer ici dans un groupe. Voilà, on va prendre une discussion ici qui marche bien, où il y a un petit peu de monde. Et voilà, et donc quand vous voyez des messages ici de certaines personnes que vous avez avec qui vous avez envie de discuter un petit peu plus. On va prendre par exemple le profil de Alba, hein, qui est en train de nous regarder. Il vous suffit de cliquer sur son pseudonyme, hein, vous cliquez sur le pseudonyme de la personne. Voilà. Et ensuite, vous cliquez ici sur « Ajouter à vos amis », tout simplement. Et du coup, cette personne sera votre amie, elle sera dans votre carnet d'adresse, hein, ici, dans la rubrique « Communauté amis ». Voilà, elle apparaîtra ici dans votre liste d'amis et vous pourrez comme ça lui envoyer directement des messages en privé, hein, entre guillemets. Voilà, je vais pas plus loin, Jean-Michel, je crois que tu es revenu avec nous, donc on t'écoute, on te regarde, on t'admire. Waouh, ok. Donc, merci, je partage mon écran et tout de suite ce que je vais partager ce que vous recevez. La première fois que vous êtes inscrite à la masterclass, vous recevez un email ici qui dit bonne nouvelle Jean-Michel, vous êtes inscrit à la formation masterclass Savoir Manger et donc c'est confirmé, vous allez recevoir immédiatement un message pour vous connecter. Donc en fait, dans votre email, vous recevez un email qui vous prévient qu'il y a un email avec vos accès qui va simplement arriver, d'accord ? Donc, je tenais à préciser parce que des fois, ça peut être confus. Et dans le deuxième email que vous recevez, là, vous avez vos mots de passe. Donc, en fait, on vous dit bravo, donc vous avez rejoint l'école. On vous propose donc la formation santé et nutrition et on vous donne ici le lien. Alors, il faut toujours savoir que tous les liens bleus sont des liens cliquables. Donc, dès que vous cliquez dessus, vous accédez directement à la page Masterclass. Et là, vous avez vos identifiants. Donc, ça, c'est mon adresse email pour tous ceux et toutes celles qui veulent m'écrire. Vous êtes les bienvenus. Et le mot de passe, je l'ai caché. Donc, ensuite, vous arrivez là, boum, sur cette page avec... vous devez l'avoir, Masterclass Savoir Manger, et vous avez une première vidéo explicative du docteur. Donc, si vous cliquez dessus, je vais le faire volontairement pour vous montrer. Vous allez avoir, on va vous demander ici de rentrer vos identifiants pour voir la vidéo, d'accord ? Et une fois que vous les avez rentrés, vous pourrez voir la vidéo. Donc, je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai déjà mes identifiants. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement cliquer sur toutes les masterclass. Et au moment où je clique sur toutes les masterclass, j'arrive ici, sur cette page, accéder à la masterclass Savoir Manger pour la vie. Voilà. Donc, quand vous cliquez ici, sur ce bouton bleu, vous êtes déjà dans la formation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez d'avance... les modules dont vous aurez droit. Normalement, donc, vous avez le premier module qui est « Bienvenue dans la masterclass Savoir Manger pour la vie ». Donc, c'est la présentation qu'on a retrouvée tout à l'heure du docteur Jean-Michel Cohen. Vous voyez à chaque fois l'évolution. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas regardé.
11 de 12 contenus consultés. Voilà. Moi, je n'ai pas regardé l'ensemble de mes contenus, mais sur la droite, vous avez un petit rapport de ce que vous faites tout au long de votre masterclass, si vous regardez tous les modules ou pas. Et ensuite, vous avez ici, donc, le premier module, c'est quoi la nutrition et comment ça marche, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et à chaque fois, vous avez un test de connaissance. C'est-à-dire que quand vous remplissez votre test de connaissance, on va vous donner une note sur 5, me semble-t-il, pour bien voir si vous avez bien assimilé ce qui a été dit pendant 45 minutes, parce qu'on est carrément dans un cours. Hein. Donc, c'est comme à l'école. Le module numéro 2, donc, ce sont les familles d'aliments. Donc, bien savoir à quoi ça sert. Et le module numéro 3, ça veut dire quoi ? Manger équilibré. Et module 4, l'importance de l'alimentation pour votre santé. Alors, ce qu'on a mis dans cette masterclass, on a mis des bonus. C'est-à-dire que vous allez retrouver les 100 meilleurs aliments santé à petit prix que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur pour les garder à vie. Donc ça, c'est un PDF. Vous avez le petit guide d'éducation nutritionnelle qui peut être très pratique pour la famille. Et ensuite, vous avez une conférence qui a été faite par le docteur Jean-Michel Cohen sur l'équilibre alimentaire au travail. Alors, je vais lancer un premier module ici. Donc, continuer la formation, je vais cliquer ici. Voilà. Et je vais arriver sur l'équilibre alimentaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'était la vidéo. Moi, j'étais en train de la regarder, en fait, sur l'alimentation au travail. Et à chaque fois que vous avez une vidéo comme ça, en dessous, vous avez des commentaires que vous pouvez laisser. Vous pouvez voir également et partager les commentaires de la communauté. Alors, je voulais partager quelques commentaires que nous avions recueillis justement autour de la masterclass que je vais mettre ici. Comme ça, vous allez voir un petit peu les retours que nous avons. On a par exemple Corinne qui nous dit que c'est très intéressant, très enrichissant. Qu'elle reste, je vais me mettre en plus gros parce que je n'ai pas l'impression que vous voyez bien. Voilà. C'est très enrichissant, c'est je reste sur ma faim, j'aimerais encore apprendre et pourquoi pas en faire un métier et communiquer aux autres la base pour bien savoir manger. On a également Madame Enaf qui nous a envoyé un message récemment. J'ai presque terminé la masterclass, il y a encore de très bons conseils, je regrette pas de m'être inscrite. Merci encore pour tous ces conseils. Elle est passée, elle, et donc toutes nos félicitations, je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, mais elle est passée d'un IMC de 30 à un IMC 25, c'est-à-dire qu'elle était en surpoids et maintenant elle est rentrée dans un IMC donc correct. On a également Corinne qui nous dit qu'elle est hyper contente de tous les conseils que vous nous apportez sur les consultations en direct. Merci à toute l'équipe. Elle a perdu 1,6 kg en 2 semaines, donc félicitations Corinne. Et on a Claire donc, qui nous dit cette conférence qui s'adresse plutôt aux responsables de restaurants d'entreprise donne néanmoins de bonnes idées pour naviguer de façon intelligente entre les différents stands proposés et ainsi mieux gérer l'équilibre de ses repas dans les cafétérias d'entreprise ou non d'ailleurs. Je suis retraité maintenant. Mais j'adhère complètement aux propos du docteur Jean-Michel Cohen. Il y a des progrès à faire en la matière. Voilà, donc merci pour tout. Voilà, ça c'est les commentaires de la dernière, du dernier module, hein, uniquement, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Après, on a d'autres. Si tu me permets, je vais en rajouter un que je vais vous partager. C'est une membre hein, qui est élève également, que j'ai eu au téléphone en début de semaine. Il me semble que de mémoire que c'est Pacadab, je crois que tu la connais un petit peu, Jean-Michel. Carole, oui. Voilà, et qui a fait, elle me disait avoir donc regardé la masterclass, elle a fait regarder la première session à ses enfants ou à ses petits-enfants, à son petit-fils ou à son fils, je sais plus, et qui du coup a fait un exposé à l'école. Alors, je sais plus c'était quelle matière, mais il a dû faire un exposé à l'école. Et donc, il a fait, en regardant la masterclass, un exposé sur la pyramide alimentaire. Et donc, grâce à cette formation, il a récolté un 18 sur 20. Donc voilà, l'avantage, moi, ce que je peux en retenir, c'est que ça s'adresse à toute la famille. Oui, félicitations. Donc, c'était son petit-fils. J'ai pas suivi. Petit-fils. C'est Starbucks. Bah, merci, Marie-Hélène. C'est Marie-Hélène qui m'aide dans le chat. Effectivement, c'était Starbucks. Voilà, il y a un 18 sur 20, effectivement. Donc, félicitations à lui. Et voilà, encore une fois, ça s'adresse à tout le monde. Et c'est son fils.
Eh bien, on va lui envoyer le diplôme. Tiens, je le partage là. Je vous partage à Tu vas l'écran. envoyer le diplôme au fiston aussi? Voilà, je vous partage à quoi ressemble un diplôme. Donc ça, c'est Françoise Contardeau qui a reçu son diplôme, qui a la signature du docteur Jean-Michel Cohen et de Fabrice Poutin, directeur de la formation Masterclass. Et donc le diplôme du mini nutritionniste qu'on envoie à chaque fois que vous avez fini l'ensemble des modules. Donc félicitations à ceux qui l'ont terminé. Je voulais juste montrer rapidement un petit détail pour ceux qui ont déjà la masterclass, comme ça permettra. Je ne sais pas si j'ai accès encore. Non, je l'ai perdu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous avez les fichiers audio qui sont présents, donc qui sont téléchargeables sur la droite de vos masterclass, que vous pouvez garder sur votre téléphone. Vous n'êtes pas forcément obligé de regarder la vidéo. Vous pouvez simplement télécharger ces MP3 sur votre téléphone et les réécouter avec vos écouteurs. C'est très pratique lorsque vous faites des pas. Ça vous permet de marcher et puis d'apprendre des choses sur l'alimentation. Est-ce que tu connais la personne qui vient de s'installer derrière moi, Jean-Michel? On dirait le responsable des contenus, non? Avec une nouvelle coupe de cheveux. Hein. En Non, général. je crois pas que ce soit lui. Je sais pas. On va lui. Vous êtes qui, monsieur? Je suis un lecteur de Jean-Michel Cohen. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu avais d'autres choses à nous annoncer sur la masterclass, Jean-Michel? Non, je crois qu'on a fait le tour, donc On a fait le tour? n'hésitez pas à regarder sur la page qui est présentée donc dans votre programme d'en lire plus si vous voulez en savoir plus. Sinon, vous pouvez nous envoyer un petit message et puis on vous donnera plus d'explications, il n'y a pas de souci. Ok, ben, on va passer aux questions-réponses. Donc j'ai noté et j'ai relevé les questions que vous nous avez posées. Alors on avait tout de suite une question de Olignon, Jean-Michel, qui nous demandait est-ce qu'on peut modifier le mot de passe de sa masterclass? Oui, on peut le modifier, oui, tout à fait. D'accord, Et très bien. il faut qu'elle me fasse la demande et à ce moment-là, je lui envoie un lien qui lui permettra de changer son mot de passe et mettre le mot de passe qu'elle souhaite. Modifier elle-même son mot de passe. D'accord. J'envoie, je lui ai envoyé la rectification du mot de passe. Très bien. On avait une nouvelle question de Alba37. Je crois qu'elle est déjà partie. J'espère qu'elle pourra re-regarder ensuite. Qui demandait, alors je pense que tu peux nous le présenter, Jean-Michel, comment fait-on, parce que je sais que tu aimes bien cette rubrique du programme, comment fait-on pour ajouter manuellement son nombre de pas dans la courbe de pas? D'accord. Ok, donc là, voilà, vous devriez voir mon écran. Vous avez les courbes de pas, les courbes de poids qui sont regroupées, qui sont ensemble ici. Vous avez même les courbes de mensuration. Vous pouvez mesurer, pardon, certaines parties de votre corps. Donc pour le pas, vous cliquez sur pas et ensuite vous cliquez sur entrer mes pas. Voilà. Donc, je me mets tout de suite ici sur 3 mois, voire 1 an. Voilà. Et à chaque fois que vous voulez rentrer, donc je vais y aller lentement, vous descendez ici comme ça avec votre souris. Et là, vous allez pouvoir rentrer les pas que vous souhaitez ici à la main. Donc là, par exemple, je vais mettre 7500 pas. Je clique sur valider et vous allez voir ici, il va apparaître. Donc ici, boum. Voilà, il est apparu ici. Voilà. Si par exemple vous voulez changer ici le pas, vous cliquez sur modifier ou vous cliquez sur supprimer si vous voulez supprimer. Si vous cliquez sur modifier, vous allez avoir une pop-up, c'est-à-dire une fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez le modifier à ce moment-là. Et après bon, je peux mettre 8000 ici, puis après je clique sur je valide et ça va se modifier automatiquement. Voilà, Morgane. On n'entend plus Morgane, Christian, est-ce que tu l'entends? Là, Non, vous allez, il tu est vas là. m'entendre, là, tu vas m'entendre. Ouais, C'est mon c'est bon. micro qui était coupé. Ok. Ok, très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vais moi passer à l'étape suivante, enfin la question suivante. Je suis content qu'on nous ait posé la question parce que c'est bien de le rappeler. Hop, donc la question, elle était très simple. C'était comment faire pour retrouver la page hein, du programme et du docteur Jean-Michel Cohen sur Facebook. Donc, je vais vous partager mon écran pour ceux qui voudraient
s'y et abonner. On peut poser la question, qui a Facebook parmi vous? Qui utilise les réseaux sociaux, comme on les appelle, peut-être Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat? Snapchat, je suis pas encore un grand expert. Voilà, qui utilise tous ces réseaux sociaux pour un petit idée? N'hésitez pas à nous dire si vous aimez bien Facebook ou plus Twitter ou plus Instagram. Voilà, ça m'intéresse. En tout cas, ça nous intéresse. Ok. Donc, en tout cas, ici, on partait donc sur Facebook. Donc, vous voyez, hein, ici, je suis sur Facebook. D'ailleurs, si vous voulez devenir ami, ben, n'hésitez pas à m'ajouter. Hein, c'est morganaujourd'hui.com. Toi, Jean-Michel, tu t'appelles et comment? Je vois que tu n'as pas encore le directeur technique Christophe Boutin comme ami sur ton Facebook. Ah ben, je l'ajoute immédiatement. Très bonne suggestion. Et toi, Jean-Michel, voilà. Est-ce que je suis pas sûr de t'avoir. Tu t'appelles comment? Non, moi, j'en ai pas, moi. T'en as pas? D'accord. Et donc, sinon, et voilà, vous tapez ici dans la barre de recherche, docteur Jean-Michel Cohen. Voilà, on a une suggestion, donc on va cliquer dessus. Et donc là, alors, ah non, ça l'a peut-être changé, parce qu'ici, on a donc le Facebook de Jean-Michel Cohen, mais ça, c'est son Facebook à lui, hein, son Facebook personnel. Alors du coup, on va taper savoir. Je crois qu'il a dépassé les 5000 amis, donc il ne peut plus rajouter de personnes. C'est bloqué au bout d'un moment. Et voilà, et quand vous tapez ici « Savoir maigrir », donc vous avez d'abord un groupe, mais ça, c'est un groupe fermé, privé, hein, uniquement pour les membres du programme qui sont VIP, qui ont souscrit aux offres, si vous voulez, aux offres VIP, hein, aux offres dédiées, les offres de départ. Hein. C'est pas les services VIP que vous retrouvez dans le programme ensuite. C'est vraiment des offres de départ qui sont réservées à certaines personnes. Mais sinon, vous avez ici « Savoir maigrir avec Dr Jean-Michel Cohen ». Il vous suffit donc de cliquer dessus et ensuite de cliquer sur « J'aime ». Donc moi, j'aime déjà, hein, j'ai pas besoin de le faire. Mais du coup, vous pourrez être abonné à la page et vous serez tenu informé hein, de toutes les consultations, des derniers témoignages. Alors, la plupart du contenu est déjà présent, bien entendu. Vous voyez ici, on voit notre consultation en direct, d'ailleurs. Donc voilà, c'était pour la page Facebook. On va... D'ailleurs on peut faire une petite parenthèse, puisqu'on a atteint les 70 000... Parce que je voyais qu'on avait 47 000 abonnés sur Facebook avec Jean-Michel Cohen, mais il a atteint 70 000 abonnés sur YouTube. Donc, c'est devenu une vraie chaîne de télévision. Là. Bravo à lui. On a également une question de Chiara5 qui dit « J'ai téléchargé l'appli sur mon mobile. Maintenant, sur l'ordi, je n'arrive pas à installer le programme. Comment faire ?» Donc, je crois que Christian avait déjà répondu, mais je vais quand même compléter. L'application, elle fonctionne uniquement sur smartphone et sur tablette. Sur l'ordinateur, vous n'avez pas besoin de l'installer. Il n'y a pas d'application qui existe sur l'ordinateur. Il vous suffit simplement de cliquer sur les liens qu'on vous envoie par email et automatiquement, hein, vous serez donc redirigé sur le programme. On a une question de DHUG 2017 qui nous dit « J'ai Delphine comme coach, donc diététicienne attribuée, et je ne veux pas en changer, elle est super. Mais pourquoi dans le programme VIP, donc les consultations VIP, c'est Céline qui coach, serait-il possible d'avoir Delphine qui me connaît bien depuis 30 semaines ?» Alors actuellement, non. Je suis désolé, Hugues, on va pas pouvoir vous mettre, enfin on va pas pouvoir faire en sorte que ce soit Delphine qui vous appelle. Elle est prise actuellement par de nombreux projets. Après, peut-être que si elle arrive à se libérer un petit peu de temps, on pourra regarder. Mais je suis désolé, à l'heure actuelle, on ne va pas pouvoir faire en sorte que ce soit Delphine, malheureusement. Déjà, elle est chanceuse, il a dans son programme, hein, parce que Delphine est toujours busy. Hein. Effectivement, absolument. D'ailleurs, Duc, j'ai vu votre courbe de poids, hein, votre objectif. Et j'ai vu que vous étiez passé d'une IMC supérieure à 30 à une IMC de 25-26. Donc, bah, bravo, hein, félicitations à vous. Ça, c'est vraiment super. J'ai une question ici de Monique. Problème pour moi, voilà, je précise, il faut que je perde du poids pour ma santé. Mon médecin me l'a encore dit hier.
pour continuer ce que je fais avec vous et Acti Nutrition, est-ce que je peux vous appeler ? Bien évidemment, Monique, appelez-nous. On est disponible tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Et Jean-Michel va nous donner notre numéro de téléphone. Au 04 81 09 04 06. De 8h30 jusqu'à 18h. Parfait. J'ai un message ici de Git2 qui me disait « Bonjour, je n'ai pas pu suivre vos conseils pour plusieurs raisons. Malgré tout, j'ai perdu 5 kilos en supprimant le sucre et les matières grasses. Je compte bien suivre vos recettes, je me sens beaucoup mieux. Ma troisième semaine se termine et nous partons chez nos enfants. Moi, ce que je vous inviterai à faire, du coup, si vous partez chez vos enfants, et je vais repartager mon écran très rapidement. Hop. Ce que je vais vous inviter à faire, et ça va être valable pour vous tous, si vous avez loupé nos dernières consultations et que vous allez bientôt partir en week-end, vous allez aller ici dans la rubrique hop. Alors, pourquoi je ne l'ai pas ici ? Voilà, je vais revenir sur la page d'accueil. Voilà, vous allez aller ici dans la rubrique vidéo consultation. Et là, donc, on a l'archivage, si vous voulez, de toutes les consultations, hein, donc les deux de lundi, celle de mardi, celle de mercredi. Et si on revient, donc là, on avait celle de jeudi dernier, hein, on nous avait parlé de l'application mobile. Et si on revient, il y a 2 semaines, on avait fait « Emmener votre régime en vacances ». Donc, n'hésitez pas à re-regarder au moins les 20 premières minutes. On vous avait donné des conseils, justement, pour pouvoir emmener votre programme avec vous partout où vous allez, partout où vous irez. Et dans la pause café, là, je vois qu'il y a des personnes qui interviennent également. Adrien invite des membres. Effectivement, vous avez toute une partie en général de témoignages. Adrien vous invite, hein, vous qui êtes membre du programme, il vous invite à venir échanger, partager votre expérience avec toute la communauté. C'est très intéressant. N'hésitez pas à même regarder en replay. Et j'avais une question aussi de Violette83, et je crois que Monique avait plus ou moins la même question, qui concernait donc le carnet minceur. Comment faire pour modifier un repas quand on s'est un petit peu trompé? C'est très simple, regardez. Je vais le faire avec vous en direct. Hop. Alors malheureusement, moi j'ai pas rempli mon carnet depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais on va le faire quand même rapidement. Voilà, je vais dans le carnet minceur ici. Donc on va reprendre la journée de lundi, hein, par exemple. Donc, on va enregistrer le déjeuner. Hop, voilà. En admettant que j'ai respecté mon plan de repas à la lettre. Donc, je clique ici dans la petite case, vous voyez. Et ensuite, je clique sur « Poster ». Ah, alors, ça n'a pas pris. On va essayer un autre repas. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur la petite case, j'ai respecté mon repas. Donc du coup, ça va aller chercher automatiquement ce qui était indiqué dans les plans de repas à la liste de courses. Je vais le poster. Voilà, donc là, mon petit déjeuner pour le lundi 25, il est posté. Si on revient donc sur le carnet minceur, voilà, comme si on était, on est aujourd'hui, voilà, le jeudi 28 juin. Donc voilà, et là, je me dis, mince, mon repas de lundi, en fait, c'était pas bon, je ne l'ai pas suivi à la lettre. Donc, je vais cliquer ici sur le lundi. Et ensuite, vous avez ici petit déjeuner. Et vous pouvez tout simplement recliquer dessus. Voilà. Et là, vous avez le bouton option. Vous voyez ? Et quand je glisse sur option, je peux soit le supprimer, soit cliquer ici sur le petit bouton modifier. Et donc, du coup, je peux rééditer tout simplement mon carnet minceur. Alors, je regarde, est-ce qu'on avait eu d'autres questions de... Normalement, on a des réponses sur le Facebook et je vois qu'il y a une multitude de personnes qui utilisent Facebook, notamment artistes, qui utilisent Facebook, Instagram et YouTube. Donc, félicitations. Et on a Odéline qui utilise, on a Artiste, Marielle Mi, Noin76, on a Facebook. Tiens, moi, je connais pas Facebook. Tu connais, toi, Tonia Nana 44. Il faudrait qu'elle nous dise ce que c'est. T'es méchant. Et ensuite, nous avons également Paulette Ami. Et puis, nous avons Dominique. Bravo. OK.
Alors, je regarde, hop. Alors, par contre, le Jean-Michel Cohen, il n'y a pas encore de compte Snapchat hein, pour le programme. C'est pas encore prévu. C'est Adrien qui s'occupe de, oui, de coordonner ça, de faire la coordination avec Jean-Michel Cohen. Mais vous pouvez de toute façon déjà retrouver toutes les stories hein, sur Facebook et puis sur Instagram aussi. Et puis n'hésitez pas même à échanger avec nous. Hein. Vous avez Adrien qui y répond. Et on a également notre amie Darine hein, qui donne un coup de main. Est-ce qu'elle est encore là, encore en face de toi ou pas du tout? Non, elle a disparu. On a même le directeur technique qui est parti. D'accord. Et je pense qu'il nous suit avec son téléphone portable, Christophe Boutin. Effectivement, vous pouvez tous nous regarder depuis le mobile. J'ai pas d'autres questions, Jean-Michel, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner avant le week-end et avant le match de samedi, France-Argentine, à 16h? Alors, je vais donner un très bon conseil, puisque sur le Facebook, puisqu'on parlait du Facebook tout à l'heure de Jean-Michel Cohen, il a posté les astuces justement pour bien s'alimenter durant la Coupe du Monde. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur son Facebook et à découvrir ça, c'est intéressant. Et autrement, donc, n'hésitez pas toujours à... J'ai une confirmation de Christophe qui est bien présent parmi nous. D'ailleurs, regarde le message juste au-dessus. Ah d'accord, Marie-Hélène, pardon, excusez-moi. Et puis donc, ce que je voulais dire, c'était que n'hésitez pas à le retrouver. Effectivement, comme le disait donc Morgan, tous les jeudis à 19h30, on l'oublie souvent, donc ça vaut le coup de faire un petit tour. Et autrement, pour tous ceux et toutes celles qui démarrent donc dès l'année prochaine, je leur souhaite un excellent programme, de toujours venir nous retrouver en priorité. Si vous avez la moindre question, alors soit avec le service client, soit avec le contact avec les diététiciennes. C'était un petit point que je voulais simplement préciser, c'est que vous avez bien sûr la messagerie dans votre espace minceur, mais vous avez toutes ces consultations en vidéo à 13h auxquelles vous pouvez participer, qui sont très utiles pour échanger un maximum de questions. Donc, vous pouvez préparer une petite liste. Voilà. Et ça, c'était le conseil du jour de questions que vous avez à poser pour pas les oublier. Parce que moi, personnellement, j'ai une petite mémoire. Donc, j'aime bien noter sur un bout de papier sans le perdre. Et ensuite, vous posez les questions auprès de vos diététiciennes. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Jean-Michel. Merci encore à vous tous d'avoir été présents pour cette consultation technique. Portez-vous bien et à jeudi prochain. Même endroit, même heure. Voilà, salut. Et on croise les doigts pour la Coupe du Monde. Allez la France. Pour l'Argentine. Allez la France. Non, pour la France, pas pour l'Argentine. Non, oui, pas pour le. Oui, mais c'est contre l'Argentine. Ok. Au revoir à tous et à toutes. Merci.